Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire une recette d'extrait de vanille fait maison. On aura besoin de 400 ml d'eau, 200 g de sucre et 200 g de sucre cassonade. Également 5 gousses de vanille. Donc je commence à ouvrir les gousses en deux. Je retire les grains. Voilà, j'ai ouvert les 5 gousses. Je vais garder les gousses et je vais les mettre dans l'eau. Le sucre, je vais le mélanger et je vais essayer d'ouvrir bien les grains. Histoire que ça soit vraiment bien homogène. Voilà, ça c'est du vrai sucre vanillé. Donc on va renverser ça dans l'eau. Je rajoute aussi nos cassonades. Et je mélange bien. Là, je passe le tout à feu très doux pour environ 1 heure. Je mélange de temps en temps. Il faut pas qu'il arrive à ébullition, il faut vraiment un feu très très faible. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez vous régler qu'il arrive à 90 degrés, maximum 90 degrés. Voilà. Voilà, on y est bientôt. Comme ça, c'est bien. Et n'hésitez pas à mélanger, mélanger, mélanger de temps en temps jusqu'à obtenir un liquide vraiment bien épais. Voilà, là c'est déjà un petit peu trop chaud. J'essaie de baisser au minimum pour garder tout l'arôme de la vanille. Voilà. Super. Donc voilà, l'heure est passée. Comme vous pouvez voir, il s'est bien réduit. Avant, il était là. Là, il est presque à la moitié. Donc, comme ça, vous voyez mieux. Donc là, on va le mettre dans un bocal en verre ou un pot de confiture vide. Et on va le fermer encore chaud. Bien sûr, on va garder aussi les gousses de vanille à l'intérieur. Donc voilà la recette d'aujourd'hui, elle est bien terminée. Très très simple, ça prend un petit peu de temps, mais franchement, ça va le coup. N'hésitez pas à essayer, à me dire qu'est-ce que vous en pensez et à très bientôt.